Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dimanche pour une nouvelle variété de tomates de ma collection que je cultive cette saison. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la variété Rose de Berne. C'est une variété originaire de France, inscrite au GNIS, aux fruits roses foncés à rouge, rond, légèrement aplati de 120 à 180 grammes. Et de 5 à 10 cm de diamètre. C'est une variété qui fait des bouquets de 5 à 6 fruits. Donc là, j'ai récolté les autres fruits qu'il y avait sur le bouquet. Au côtelage en partie haute, à dépression moyenne, à la tache pédonculaire. Sa chair juteuse et sa peau fine en fait une tomate exceptionnelle et reconnue par les amateurs de tomates. Sa saveur sucrée et parfumée aussi. C'est un plant qui mesure entre 120 et 160 cm de hauteur, avec des feuilles longues et très dentelées. Elle a tendance au fendillement. C'est un de ses défauts. Donc pour résumer, c'est une tomate de couleur rose, comme l'indique son nom, de forme ronde, de calibre moyen, pouvant peser de 120 à 180 grammes, qui est originaire de France. On l'utilise principalement en salade de croissance indéterminée. Elle mesure entre 1,20 m et 1,60 m de hauteur. C'est une tomate de mi-saison, au feuillage régulier, très dentelé, avec une bonne productivité, une bonne résistance aux maladies, qui accepte la plupart des climats, donc chaud, froid, humide, sec, comme d'habitude quand je vous dis la plupart des climats, ou tous les climats. C'est comme ça que je le vois. Donc voici la tomate rose de Berne. Donc voilà, une très belle tomate ronde, rouge sous le dessous, rosée sur le dessus. Très très bien vue par les spécialistes. Donc voilà pour la tomate rose de Berne aujourd'hui, dimanche. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à la liker et aussi à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.